À l'initiative des conseillers départementaux Marie-Claire Barbier et Gaston Arthaud-Bertet, ainsi que du président de la communauté de communes de Yenne, Hervé Guémard était en visite à Yenne le 29 novembre dernier. Une visite au contact des acteurs locaux avec une matinée centrée sur deux sujets, l'économie et le tourisme, avec l'intervention de nombreux spécialistes et acteurs du territoire. Sur le plan économique, c'est vrai que le département n'a plus une compétence propre, mais le département de la Savoie a tellement été proactif en matière économique dans les dernières décennies qu'il a souhaité continuer à accompagner les petites intercommunalités comme la communauté de communes de Yenne dans le développement économique. Donc c'est vrai que l'agence économique régionale Antenne Savoie, c'est quelque chose qui est extrêmement bien structuré et qui est mis à disposition des territoires et particulièrement de notre territoire. Sur les enjeux touristiques, un zoom était notamment fait sur le chantier de passerelle entre la Balme et Virignien, un ouvrage qui sera terminé dans le courant de l'année prochaine et qui constitue un des éléments mis en place pour favoriser les pratiques du vélo et donc l'attractivité du territoire. D'autre part, le département, avec sa compétence sur les routes, a aussi mis en œuvre cet immense chantier du tunnel du Chat, avec la restructuration du tunnel et la création de la galerie de sécurité. Et effectivement, cette galerie de sécurité, elle a été mise à disposition du mode doux, donc du cyclo, du piéton, et c'est une vraie réussite. La visite se poursuivait l'après-midi à la coopérative laitière de Yenne avec un nouveau temps d'échange entre élus locaux et agriculteurs du territoire. Donc dans ce cadre, on voit les produits qui sont récemment arrivés dans la cave. Disons pour nous, aujourd'hui, on a pris la compétence économique disons, au niveau de la communauté de communes de Yenne. Et ça nous paraissait essentiel de pouvoir rencontrer les différents partenaires parce que nous pensons que nous aurons de plus en plus à travailler en liaison les uns avec les autres pour connaître les problématiques respectives et pour essayer ensemble d'y répondre pour l'intérêt du territoire. Donc ce matin, on a commencé avec les entrepreneurs du canton pour parler développement économique, fibre optique, tourisme notamment. Ensuite, un moment de convivialité avec les élus, avec les maires du canton pour parler des problèmes. Ils sont nombreux actuellement pour les maires qui s'accrochent au plus proche des territoires. Nous avons maintenant une séquence ici, la coopérative laitière de Yenne sur les sujets agricoles, puisqu'on sait que cette coopérative, c'est à la fois le fromage et la fameuse tome de Yenne, mais c'est aussi la viticulture de ce beau vignoble savoyard. Et puis ensuite, nous allons passer un moment avec les associations du canton. Donc c'est formidable de pouvoir être sur le terrain et de voir des femmes et des hommes qui sont actifs et qui font plein de choses.